Cela fait 12 ans que Maria, 70 ans, cultive la vanille chez elle à Papara. Depuis que son époux est alité, elle s'occupe seule de sa vanille et de temps en temps fait appel à ses enfants pour l'aider. Ce n'est pas un travail simple, c'est fatigant, mais il faut gérer sa fatigue. Quand c'est trop, tu te reposes, sinon la tension monte. L'agriculture, Maria et son époux y ont donné 30 ans de leur vie sur cette terre domaniale. Enseignante puis secrétaire à la dépêche et aujourd'hui à la retraite, elle s'y consacre entièrement. La vanille, c'est ce qui permet d'aider la famille. Tu ne deviens pas millionnaire, mais financièrement, la vanille, ça aide beaucoup. Alors, pour l'entretenir, Maria s'en occupe, comme des enfants. Je mets de la fiente de poule. Sinon, je fais du compost à base de feuilles d'arbres que j'ai plantées et que je laisse reposer dans les grands fûts. Je parle beaucoup à ma vanille. Je leur dis de ne pas m'abandonner. Ne laissez pas votre maman. Et quand je reviens, elles sont encore plus belles. L'agriculture, Kevin Lin en a fait son métier aussi. Du haut de ses 26 ans, ce jeune entrepreneur a repris les commandes de l'entreprise familiale il y a 4 ans. Géré depuis toujours par son père Mariano. C'est ici, sur la terre Vejiria, située dans la commune de Mateia, qu'il travaille chaque jour. C'était pas évident au début. Il fallait déjà qu'on s'accorde, c'est-à-dire accorder nos violons, parce qu'on n'est pas du tout de la même génération, on ne fonctionne pas de la même manière. Voilà, lui, il a des techniques, on va dire, de l'ancien temps. Et nous, on a une vision plus vers le futur, en fait. Pas trop la main verte, Kevin s'occupe essentiellement de la commercialisation des légumes. Le FAPU est géré par les employés, sous l'œil avisé de son père. Non, Les jeunes ont une autre mentalité la plupart du temps. Ils sont sur leur ordinateur. Mais il ne faut pas compter sur eux pour venir planter. Mais il faut dire que Kevin est très courageux dans ce qu'il fait. Deux modes de travail différents. Maria, elle, préfère la culture des anciens. Kevin, lui, en a fait des machines, ses outils. Mais au final, l'amour et la passion pour la terre sont ce qui relie ces agriculteurs courageux. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.